5 juillet 2019, jour moins un avant le trail de Verbier, 73 km, 11e trail de Verbier. Station mythique suisse, Verbier, Verbier, pour les étrangers. Une station désertée. Nous allons partir demain matin à 8h et on va faire une grosse course. A tout de suite au départ du Trail de Verbier 2019. 11e Trail de Verbier. Départ dans 20 minutes. Toujours une course très facile. Sur le papier, très facile. 3 montées, 3 descentes, 73 km. Alors nous allons nous enquérir des participants qui sont assidus à la tâche. Bon, voilà, c'est la 11e, le sac est prêt, on peut y aller. Je sens un peu de tension, Olivier. Que se passe-t-il? Je suis bien assuré. Les groupes visuels, valaisins. Montre-nous ton sac, comme il est beau. Et regarde, le sac. Mais tu prends le... Ah, tu prends pas le noir, tu prends le petit. Ah là. Alors, tu vois, tu as déjà la puce de ça en 1911. Tu as des boissons. Tu as une deuxième boisson. Le poids du sac, 3,5 kg. Ce sont les bâtons. Les bâtons. Comme ça. Tire, et clic, c'est bon. Tu n'as pas tout pour. Super. Tu prends doucement le départ et tu ralentis à l'arrivée. Tu fais bien vite la main. Départ dans 10 minutes. Bon contact. Je vous donne un hop jusqu'à ce que l'engine soit entre 9 degrés Celsius et 19 degrés Celsius, par exemple. 1 heure de course. Nous sortons du chemin et on attaque une montée. juillet 2019, c'est la 11e. 9e pour moi, 11e pour Laurent. Et cette année, c'est la thématique des autocollants à Chiara. Vous verrez, il y a 5 autocollants tout le long du parcours. Derrière, on monte au lac de Fenêtre, puis le col où il y aura le premier autocollant. En avant. Lac de Fenêtre, 2000 mètres. Beaucoup de neige. Nous allons monter au col. Col de Fenêtre, 2700 mètres. Super vue. C'est toi qui vois avec ta conscience.
Va-t-il tomber ? Col de fenêtre, premier autocollant sur les 5. Mais toi, t'as les chargeurs des nouveaux Samsung ? Tout s'arrondit ? Oui. Ouais. 2700 mètres. Alors, donc les contrôleurs dorment ici. Superbe, très chaud. Nous sommes arrivés ici. Et on va descendre. Ici, dans la neige. On fait un peu de ski. Sur le Saint-Bernard. Alors, col de fenêtre, 2700 mètres, premier autocollant, je regarde le caméraman, est-ce qu'il l'a trouvé ? Il l'a trouvé, le prochain au col de Mille, vers 15h, plus tard. Ah, maintenant, on met la gomme, on va rattraper Olivier dans la descente. Dans la descente. On va rattraper Olivier. Glissez dans la neige. Hey. Je sors numéro suisse. Et je confirme, nous sommes bien au Grand Saint-Bernard. Et nous allons descendre en direction de Bourg-Saint-Pierre, dans la neige. Barrage des Toules. Il nous reste 40 minutes pour arriver à Bourg-Saint-Pierre, longer le lac, arriver au barrage et ensuite descendre dans la forêt sur 5 km, ou 4 km sur Bourg-Saint-Pierre. Bon, quelle position, à quelle position es-tu ? Grâce à la boxère, mon slip est un boxère. Ravitaillé. Vas-y, continue. Publicité, t'es payé combien ? Nous venons du barrage des Toules. Bourg-Saint-Pierre. La fameuse fontaine. Et on continue en direction du col de Mille. Nous allons passer à fond le coteau. Pause. Nous sommes à quelques, on va dire, une heure de la cabane de Mille et je fais une pause. J'attends Cédric dans cet endroit superbe. Donc je m'assieds, mon petit sac, mon dessert et le thon, broussade. Nous voici au col sans nom et nous voyons
notre objectif, cabane de mille. Nous allons nous ravitailler, mais avant ça, il faut qu'on fasse toute la vallée. Là. À fond! Nous arrivons à cabane de mille. Cabane de mille, 2700, allez, 2600 mètres. On vient de là-bas. C'est le deuxième autocollant. Donc, vous voyez, j'ai toute la liste. Deuxième autocollant col de mille. Venez avec moi, on va vous le montrer. C'est le trophée de Muvran. Il est là. Vous voyez, il est là. Autocollant mis l'année passée. Allez, vas-y. À bientôt. C'est parti. Où vas-tu maintenant? Je vais dans la nuit, dans les ténèbres. Il est 5h30. Nous sommes presque au paradis. On doit passer là-bas au col. Vous voyez Verbier, où c'est l'arrivée. Mais avant de faire ça, on doit encore faire deux cols à 2800 mètres. Super météo. Voilà le troisième autocollant du Muvran. Caché à Cervet. Et nous partons en direction de Brunet, cabane Brunet. Là-bas. Alors, nous sommes au col des Avouillants, 2645 mètres. Nous allons aller à la cabane François-Xavier Bagnou FXB. FXB. De 1h25. Et comme on le dit, au col des Avouillants, il n'y avait jamais de bouillant, mais il y a Jeannette qui arrive. Jeannette, bravo, très connue, Jeannette. Bravo Jeannette. Sans les bâtons. Alors nous allons faire une descente vertigineuse. On va rouler. Elle est là-bas. C'est très beau. C'est vrai que Laurent, je ne sais pas où ils sont. Ouais, derrière. Ou devant. Mais je pense pas devant. Je ne les ai pas vus me dépasser. On a la descente des Avouillants. Ah, c'est glacier de la Tirschlout. Puis là-bas. C'est la moraine frontale, et puis juste là en dessous, c'est là, la passerelle, elle est où? Hop. Voilà. Arrivé à Palossière, 2700, tout est à 2700 ces jours. Concomba, il est 9h50. Oui, oui, c'est la cabane. Oh, ravitaillement succinct. Voilà, superbe. Pas grand chose. Nous sommes à Lourtier, il est 2h du matin. Il y a des Belges qui partent. Et nous, les seigneurs de la nuit, vont se faire la chaux. La montée de la chaux à 2h du mat. Au sommet. Il est 5h du matin, nous arrivons à La Chaux, où il fait beau. Et on est à La Chaux, superbe lever du jour.
Et il va faire grand beau. Il est 7h du matin. Nous arrivons à Verbier. De plus en plus de spectateurs nous attendent. Il est 7h du matin, nous sommes partis à 8h du matin le jour d'avant.